Vamos a preguntar a los franceses tres palabras por designar una nacionalidad o un país. Digamos, les digo Colombia, tres palabras por describir Colombia. Les digo México, tres palabras, etcétera, etcétera. Salut tout le monde, ça va? Tranquille. Ouais. Ok, il faut décrire trois mots pour désigner une nationalité. Donc si je vous dis pas Brésil, trois mots pour désigner foot, Brésil. Foot. Foot, ça fait un mot, ouais. Les meufs. Ouais. Les meufs. Maillot foot. C'est là, il y a aussi. Danse, on veut danser. Ouais, danse. Grand maximum. C'est pour quoi? Danse pour YouTube. Ah, c'est quoi la chaîne? Michel Frances. Voilà. On continue avec un autre pays, trois petits mots. Mexique. Ouais. Cartel, ça fait un mot. Mexique, j'ai fait mon dégradé, faut le rentabiliser. Non, c'est pas mexicain, c'est colombien. Mexique, le Mexique, la plage. La plage aussi, ouais. La nourriture. Mais la bouffe, mais ta cause. Ouais. Ta cause. Allez, on termine avec les pays, je sais pas, la Chine, trois mots. La Chine. Le corona. Pour le Covid. Là, je sais pas. Sexe. Pas d'autre mot? Non? Un autre mot. Bon, pas de problème du tout. Mais... C'est sympa, les gars. Allez. Les gars, ça va? Oui, j'ai le fait. Alors, trois mots pour décrire le Mexique, par exemple. Trois mots. Les tacos. Les tacos. Ouais, t'as fait un mot? La drogue. La drogue. Les cartels. Les cartels, ok. Trois mots pour l'Argentine? Messi. Ouais, Messi. Foot, Maradona. Ouais, bah, du coup, Messi, foot, ouais. Allez, la troisième. La danse, non? Une danse, un peu. N'importe quoi, je sais pas. Si, il y a des danses, ouais, mais ah ouais. Le tango, je sais pas, je connais le tango. Mais non, le tango, c'est pas gentil. Si, c'est ça, c'est porté. Du coup, dernier petit pays, l'Espagne, trois mots. L'Espagne, foot, Espagne, non. Les filles. Ouais, la troisième. Chaleur. Ouais, la chaleur. Ok, bah merci les gars. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous pouvez en fait décrire, je vais vous dire un pays, vous décrivez le pays en trois mots. Donc par exemple si je vous dis le pays par exemple Pérou, trois mots pour désigner le Pérou, vous diriez quoi? Pérou, très beau pays. Très beau pays, ouais, ça fait un mot. Lima. Lima, la capitale, ouais. Et un troisième truc. Et puis troisième truc, les gens toujours souriants. Gens souriants, ok, très bien. On change de pays, par exemple le Chili. Chili. Alors, ouais, Chili, c'est vrai qu'il est un peu compliqué. Peut-être un peu compliqué, oui, tout à fait. Bon, toujours des gens souriants, ouais, je aussi. Vois, de toute façon. Le soleil. Soleil, ouais. Hein, puis, Les géographies bizarres, vu que le pays, il est un peu... Voilà, il est un peu... Mais bon, un peu loin. Ok. Et maintenant, dernier pays, l'Espagne, trois mots. L'Espagne, j'adore. Ouais. Voilà. D'autres mots. D'autres mots, ouais. Décrire en espagnol ou leur culture, quel mot comme ça vous vient de l'esprit, donc... La favela. Les favelas, ok. Et puis la mer. La mer aussi. Voilà. Ok, bah je vous remercie monsieur. De rien, à votre service. Merci. Au revoir. Monsieur, vous pouvez dire en fait trois mots pour dire qu'est-ce que vous pensez du Brésil. Trois mots. Trois mots qui vous viennent à l'esprit si je vous dis Brésil. Ou brésilienne ou brésilien, trois mots. Comment ça, trois mots? Bah par exemple, on me dit France, un mot ce serait fromage. Par exemple, ça mange beaucoup de fromage. Ouais. France dit drapeau français, je sais pas. Brésil, qu'est-ce que vous disiez Bravo. Bravo? Oui. Ouais, pourquoi bravo? Pour le football ou... Oui. Ok, ouais, donc ça fait un mot. Un deuxième mot pour Brésil, je sais pas... sur les climats, par exemple... On peut dire bête. Bête, animaux, quoi. Ouais. Un peu plus que d'animaux, ok. Et un troisième mot. Beaux gosses. Les beaux gosses. Ok, bah je vous remercie, monsieur. Au revoir. En fait, vous devez dire trois mots pour désigner une nationalité ou un pays. Par exemple, si je vous dis Brésil, trois mots pour décrire le Brésil. Beau temps, ouais, carnaval. Beau temps, ouais. Carnaval et un troisième. Et la danse. Et la danse, ok. Si je vous dis Colombie. Cocaïne. Cocaïne, ok, ouais, ça fait un mot. Escobar. Escobar, ça fait deux, ouais. Et je veux vivre. Y habiter. Comment ça? Non, je veux vivre. Enfin, la joie de vivre, okay. Ouais. Ok. La joie de vivre. Ok, très bien, on continue. Maintenant, si je vous dis Mexique. Tapas. Ah, ouais, la tapas. Tacos. Tacos, ouais. Et puis soleil. Et soleil. Ok, on termine avec Argentine, trois mots. Football. Ouais, le football. Les mêmes choses que les autres pays au final. Mais... Ouais, joie de vie par exemple. Et puis enfin, c'est un beau pays niveau paysage et tout. Paysage, ouais, la Patagonie et tout ça. Ok, bah je vous remercie beaucoup. De rien. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonjour, en fait il faut dire trois mots pour désigner une nationalité. Par exemple si je vous dis Colombie, trois mots pour désigner la Colombie. Trois, ce que vous voulez, la Colombie,
Tabac, rhum et convivialité. Ouais. Et convivialité, ok, ok. On continue avec le tour d'horizon d'Amérique latine, par exemple, Argentine. Foot. Ouais, foot. Et voyage, paysage. Ok, foot, voyage, paysage. Et on termine avec le Mexique. C'est... Ouais, non, c'est censuré, ça, je peux pas. Pourquoi? Non, y a pas de censuré. J'allais dire cocaïne, mais bon, ouais. Ouais, les cartels avec El Chapo. Les cartels, sinon, tequila et tequila, les grosses fêtes. Et comment? Les grosses fêtes. Ok, ok, la playa aussi, j'imagine. Ouais, okay. La playa surtout aussi, ouais. Je vous remercie, merci. Pas de quoi, bonne journée. Au revoir. Donc, juste monsieur, ouais. Donc, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez dire en fait trois mots pour désigner nationalité. Alors, si je vous dis, par exemple, je sais pas, Japon, trois mots pour désigner le Japon. Trois mots qui viennent à l'esprit, comme Je sais pas, Naruto. Naruto, ok, ouais. Naruto, je sais pas, sushi, et puis on va dire le mont Fuji. Ok, ok. On continue les pays, par exemple l'Amérique latine, Argentine, trois mots. Argentine, trois mots, Javier Pastore, Lionel Messi, et Gonzalo Higuain. Que du foot. Okay. Du foot. Ok. Bah si je vous dis par exemple Mexique. Mexique, ouais, les Faritas. Ok, Faritas, ouais. Chicharito, toujours. Ah ok, football aussi. Et puis, on va dire... un truc au Mexique. La nourriture, par exemple, puisqu'on mange beaucoup en ce moment, les tacos. Ah, les tacos. Ouais, tacos, ouais. Je suis sur les lèvres. Et allez, on termine avec Espagne, un pays européen. Espagne, on va dire la paella. Paella, ouais. Madrid. Ouais. Et puis, Pays Basque. Ok, ok. Bah, je vous remercie beaucoup. Pas de soucis. Merci, au revoir. En fait, il faut décrire avec trois mots les pays que je vais vous dire. D'accord. Okay. Donc, si je vous dis Colombie, bah, trois mots pour décrire la Colombie. La drogue. Drogue, la cocaïne. Drogue, cocaïne, bon, ça fait la même. Ouais, hein. c'est la même chose. La chaleur. Chaleur, ouais. La jungle. Et la jungle, ok. On continue par un avec Mexique. Le sombrero. Ah, merde. Le sombrero. Comment? Le sombrero. Sombrero, ouais. La tacos. Chaleur, ouais. La tequila. Ok, tequila. Et on termine avec l'Espagne, par exemple. La sangria. Sangria, la Sagrada Familia et Barcelone. Et Barcelone, ok. Donc, on fait trois, on dirait. Et le chocolat de l'Espagne. Voilà, le chocolat de sur la plage. D'accord, bonjour, merci beaucoup. Merci, au revoir.